Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ceux et celles qui viendraient nous rencontrer au Festival Effraction. Il s'agit ici d'une rencontre avec Hélène Frappa dans le cadre d'un partenariat entre le Festival Effraction et Diacritique. Et j'ai la joie et l'honneur de recevoir donc Hélène Frappa pour son roman très important, Trois femmes disparaissent, qui vient de paraître pour cette rentrée d'hiver aux éditions Actes Sud. Alors Hélène, je vais faire une brève présentation de vos travaux, même si je pense que beaucoup de gens vous connaissent déjà. Donc, de manière très succincte, je vais vous présenter. Donc, vous êtes diplômée de philosophie et de lettres, mais votre parcours s'illustre au carrefour, je dirais, de trois interrogations. La première interrogation qui a été la vôtre est une interrogation cinématographique sur la matière filmique, puisque vous avez été et vous êtes critique de cinéma, notamment au Cahier du cinéma et aux Inrecuptibles. Mais vous avez aussi eu, dès le départ, une interrogation sur les figures féminines, une exploration des figures féminines. Citons ici notamment votre travail à la radio autour de Eddie Lemar, mais aussi autour de figures littéraires comme Marie Shelley. Et puis enfin, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, une interrogation romanesque, puisque vous êtes l'auteur d'une œuvre qui est déjà conséquente. Je vais en citer tout à l'heure quelques titres. Et c'est une œuvre dont vous dites qu'il s'agit par la fiction d'explorer ou de donner une vérité ou d'approcher la vérité. Et c'est justement sur ce schéma d'enquête autour de trois stars maudites, comme on va le développer tout à l'heure, que nous allons nous réunir. Alors j'évoquais à l'instant votre parcours romanesque. Citons évidemment Par effraction, qui je crois a eu la mention spéciale au prix Veplaire. On peut également citer le très beau N'oublie pas de respirer, et encore plus proche de nous, Le Mont Fuji n'existe pas. Mais comme je vous le disais, notre rencontre va se placer sous le signe d'un roman très important que vous venez de signer, qui s'intitule « Trois femmes disparaissent » et dont je vais vous donner, non pas le pitch, parce qu'on n'est pas chez Ardisson, mais dont je vais vous donner l'argument, puisqu'on est plutôt chez Sophocle. Alors, voilà, il réunit trois actrices, donc dont la première, Tippi Hedren. On se souvient de cette blonde magnétique qui s'est illustrée dans les deux derniers grands films d'Hitchcock. La critique cinématographique a plutôt tendance à dire que ce sont les deux derniers grands films, Les Oiseaux en 1963 et Marnie en 64, traduit en français, Pas de printemps pour Marnie. La deuxième actrice dont vous explorez le parcours, c'est la fille de Tippi Hedren, Melanie Griffiths, qui s'est illustrée dès les années 1970, mais dont on retient notamment le parcours dans les années 80, avec, on y reviendra, notamment un très grand film de Brian De Palma, Body Double, en 84, et peut-être encore plus connue, Working Girl, voilà, autour de 87-88, si mes souvenirs sont exacts. Et enfin, une troisième figure, peut-être moins connue que les deux précédentes, qui s'appelle Dakota Johnson, Johnson comme Don Johnson, le héros, l'acteur de Miami Vice, avec lequel Melanie Griffiths a eu cette jeune femme, et qui s'est illustrée, moi je l'ai appris en lisant, je ne la connaissais pas du tout, et d'ailleurs on va voir que l'interrogation dans votre livre porte sur cette question, qui s'est illustrée dans ce blockbuster qui s'intitule 50 nuances de Grey, et dans un film beaucoup plus discret que malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de voir, qui est le remake de Suspiria de Dario Argento et qui a été fait par Luca Guadagnino et dont vous m'avez appris pourquoi il était plus long de 20 minutes que l'original. Donc quand je vous ai lu, j'ai compris pourquoi il était plus long, ça m'avait toujours frappé. Alors, plutôt que de m'entendre parler, moi, on va plutôt écouter Hélène Frappa. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est une question très, très concrète. Le Festival Effraction pose ce qu'on appelle des questions de fouille. Et la première question, c'est une question en fait sur la genèse, les origines de ce livre.
pourquoi vous êtes-vous intéressé à Tippi Hedren? Vous le dites hein, au début, vous le dites au début du roman, vous avez visionné un épisode de Super Jamie, qui est une, je crois que vous avez visionné le pilote, si mes souvenirs sont exacts, donc le Super Jamie, qui est une héroïne bionique, hein, qui prenait, je crois, des petits chewing-gums pour décupler sa force. Et est-ce que vous pouvez nous raconter à quelle occasion, pourquoi justement, à propos de Super Jamie, de ce feuilleton des années 70, vous est venue une interrogation, un point de départ autour de Tippi Hedren? Je viens juste de me souvenir que mon éditrice, parce qu'au début, avant la publication du livre, non, ça m'a frappée en vous écoutant, j'avais complètement oublié ce truc pourtant récent. Donc l'éditeur avait peur, ça c'est on pourrait l'écrire en un seul mot, l'éditeur avait peur, enfin les éditeurs ont peur à juste titre d'ailleurs de littérature ces dernières années, parce que c'est vrai que c'est compliqué de vendre des livres de littérature, et ils se disaient mais ce livre est quand même, c'est quoi en fait, est-ce que les gens ne vont pas se demander, est-ce que c'est un roman, est-ce que c'est... Moi personnellement c'est une question qui me laissait intégralement indifférente, mais je leur ai dit si vous voulez réfléchir à ça, pourquoi pas, mais enfin bon. Et elle avait proposé un moment, j'avais dit non d'ailleurs, Fouille. J'avais dit non parce que je trouvais que ça évoquait des choses qui étaient assez éloignées de l'archéologie. Mais donc, effectivement, il y a longtemps, encore plus longtemps, quelqu'un dont j'ai été proche, sur qui j'ai écrit un livre qui s'appelait Jacques Rivette, un cinéaste, m'avait conseillé de lire le journal de tournage que Jean Cocteau avait écrit pendant donc, le tournage de La Belle et la Bête. Et ça a beaucoup à voir d'ailleurs avec cette histoire des fractions. Donc pendant que Jean Cocteau ensevelissait son acteur et compagnon Jean Marais sous des tonnes de cols, de poils, de costumes extrêmement lourds pour le transformer donc dans la bête, lui-même se recouvrait d'une maladie de peau qu'il n'avait jamais eue, probablement par une sorte de mouvement, enfin pas probablement, évidemment par une sorte de mouvement d'empathie absolue, de porosité pour son acteur. Et dans cet extraordinaire journal de tournage, il dit qu'en fait, être un cinéaste, c'est être un archéologue. C'est-à-dire qu'on déterre en fait un film, l'archéologue ou le cinéaste déterre un film qui est déjà là. C'est absolument, moi ça m'avait vraiment bouleversée de cette lecture, parce que je m'étais dit que c'était exactement par ailleurs ce que faisaient aussi les écrivains. Enfin, j'avais eu cette sensation-là. Et donc, en effet, cette histoire, elle remonte à il y a une vingtaine d'années, cette obsession que j'ai commencé à avoir autour de ce livre. D'abord, en découvrant un documentaire qui date d'il y a 20 ans, pile, qui s'appelle Searching for Debra Winger, à la recherche de Debra Winger, donc dans lequel, réalisé par Rosanna Arquette, une comédienne hollywoodienne qui, elle-même, est d'ailleurs membre d'une grande lignée, enfin une fratrie. Elle, c'est pas une grand-mère, une mère, une fille, mais une fratrie d'acteurs. Très intéressant, d'ailleurs, toute cette fratrie. Et elle est partie à la recherche d'une actrice qui avait disparu. Bon, sachant qu'à Hollywood, quand on disparaît, ça veut dire qu'on ne joue plus dans des films et donc qu'on est mort, hein, du coup, du point de vue de cette industrie qui se concentre entièrement sur elle-même. Et elle partait à sa recherche. Elle mettait beaucoup de temps à la retrouver, mais en chemin, elle rencontrait beaucoup d'actrices qui s'interrogeaient sur les propres disparitions dont elle pouvait... avoir subi, sachant que le métier d'acteur, c'est un peu un métier d'apparition, de disparition en soi. Et puis, parmi elles, il y avait Mélanie Griffiths, hein, qui racontait une des histoires les plus étranges du film, c'est-à-dire comment, à l'âge de 35 ans, c'est-à-dire au moment que vous citiez à l'instant, où elle était au fait d'une carrière, où elle jouait dans 3, 4, 5, 6 films, hein, les plus gros films hollywoodiens de l'époque, entre autres, elle a joué dans 3 de Palma de l'époque, où elle était vraiment absolument bankable, comme on dit ça. Je ne sais pas si elle était très bien payée, parce que les actrices sont beaucoup moins bien payées à Hollywood, en tout cas à l'époque, que les acteurs. Mais en tout cas, elle était une des grandes stars hollywoodiennes. Et en même temps, tout son entourage, elle avait 35 ans, ne cessait de lui demander, son entourage professionnel, mais pourquoi tu as disparu ? Et elle disait, mais j'ai pas disparu, j'ai joué. Puis alors elle commençait à justifier qu'elle n'avait pas disparu, elle justifiait qu'elle était en vie. Et les gens n'écoutaient pas, ils reposaient la même question. Mais pourquoi tu as disparu? Mais je n'ai pas disparu, etc. Et elle en parlait avec sa voix de petite fille qu'elle a, comme si elle s'excusait d'avoir dû s'excuser d'exister, en fait. Ça m'avait beaucoup frappée. Puis effectivement, quelques années après, j'ai dû écrire un texte sur Super Jamie, qui n'était pas vraiment ma série préférée de mon enfance, puisque c'était... Drôle de dame qui m'avait durablement influencée.
qui avait d'ailleurs influencé entre autres ma vocation de détective. Et mais Super Jamie, bon, il y avait cette joggeuse. Alors en fait, elle était bionique, elle avait des sortes de puces implantées en elle. Alors il y avait cette chose déjà que sur le moment qui m'avait fait rire, mais comme beaucoup de choses qui nous font rire, en fait, il faut toujours s'attarder, je pense, sur ce qui nous fait rire parce que ça dit quelque chose. C'est déjà un mouvement de pensée, le rire. Hannah Arendt disait l'ironie est une partie de la compréhension. Donc je pense que quand déjà il y a une ironie de quelque chose, ça dit beaucoup de ce qu'on peut y comprendre. Donc cette femme, elle était censée courir super vite. C'était une super héroïne, sachant que, comme on le sait, qu'il n'y a pas tellement de super héroïnes. Il y a surtout des super héros. Et pour le montrer, les scénaristes avaient eu cette idée, pour le moins paradoxale, de la faire courir vraiment très 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 lentement. Et donc cette lenteur absolue qui faisait qu'elle était vraiment complètement au ralenti était censée être le signe de sa puissance. Et puis un jour, dans un épisode, c'était pas le pilote, c'était en 76, donc j'avais 7 ans, enfin quand je l'ai vu la première fois, mais après je l'ai revu des années après, tout l'épisode était centré autour d'une petite fille en réalité qui était dans une grande détresse, j'ai oublié pourquoi, une orpheline je crois. Bah, c'était d'ailleurs à l'âge où moi-même j'étais devenue orpheline, c'est pour ça que ça a dû me marquer. Et puis elle arrivait chez une femme, une blonde, enfin plutôt châtain, dont le visage me disait quelque chose. Et puis en la regardant bien, j'ai eu aucune peine à la reconnaître parce qu'en réalité elle n'avait pas du tout changé elle-même, hein, c'était donc Tippi Hedren, que j'avais vue dans Les Oiseaux et Marnie. C'était absolument la même, enfin physiquement, et c'était à quelques années à peine des films d'Hitchcock, sauf que c'était tout à fait une autre personne, c'est-à-dire qu'elle n'était plus cette figurine du fantasme hitchcockien, entièrement modelée comme le personnage de Vertigo incarné par Kim Novak, entièrement dressée, disons, à devenir ce cadavre hitchcockien, hein, qui est son fantasme sexuel, c'est-à-dire une femme entièrement verdâtre, un peu comme dans Vertigo, quand Kim Novak James Stewart peut désirer coucher avec Kim Novak au moment où elle est entièrement transformée en cadavre. Donc là, elle était dans ses habits verdâtres, avec ce teint un peu verdâtre aussi d'ailleurs, ses cheveux avec une nuance de vert, bon, sublime, hein, c'est Tippi Hedren, mais complètement, voilà, transformée dans le fantasme hitchcockien. Dans Super Jamie, elle avait les cheveux au vent, un pas de def, un t-shirt, pas de maquillage, des chaussures plates. Et elle avait l'air de vivre sa meilleure vie entourée de gigantesques fauves, dont j'ai compris tout de suite, d'ailleurs c'était le sujet de l'épisode, qu'ils n'étaient absolument pas domestiqués. Et d'ailleurs en y pensant, c'est un truc que je n'ai même pas pensé, mais je pense là en le disant, elle avait été entièrement domestiquée par Hitchcock, et là elle se retrouvait au milieu de ces fauves qu'elle ne voulait absolument pas domestiquer. Au point, évidemment, ça arrive que ces fauves n'ont pas tardé à la mutiler, à la mordre, à la griffer, à l'envoyer à plusieurs reprises à l'hôpital, manquant de la tuer. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite vu ce dont il était question. C'est-à-dire que cette femme qui avait failli se faire buter par Alfred Hitchcock, ce que je savais, d'autant que moi, comment dire, j'ai une certaine tendance depuis que je suis petite à ne pas tellement m'arrêter au récit officiel. Donc, le récit officiel hitchcockien, bon, moi j'adore Hitchcock, hein, j'adore les films d'Hitchcock. En réalité, je continue à adorer les films d'Hitchcock et Marnie et Les Oiseaux. Mais cette espèce de sadisme absolu des films m'avait crevé les yeux. Et puis j'avais lu des récits, j'avais vu quand même que ce qu'elle avait vécu avec les oiseaux, il n'était pas encore question des viols qu'elle avait subis. Parce que ça, elle en parle dans son autobiographie parue en 2016 aux États-Unis et pas traduite en français. Mais je m'étais dit, bon, elle a failli se faire crever un œil et se faire tuer par des oiseaux. Et donc son réflexe, c'est de se réfugier, de chercher de l'aide auprès d'animaux sauvages beaucoup plus dangereux que des oiseaux. Et j'y ai vu quelque chose, alors là pour le coup qui m'a pas fait rire, qui donnait plutôt envie de pleurer, mais où il y avait une ironie évidemment, une ironie noire, l'ironie, ce que mon ami anthropologue Nicole Lapierre à propos de l'extermination des juifs appelle l'humour sans sécher, il y avait quelque chose quand même de cet ordre là, hein, un truc vraiment d'humour noir où cette femme, voilà, était. Et là je me suis dit, il y a une enquête à mener pour le coup, et c'est là que l'enquête a commencé. Et justement, l'enquête, elle est menée donc par la narratrice qui est vous, qui n'est pas vous. Et elle s'appelle la détective. Et cette figure de la détective, elle ressemble pas trop au drôle de dame que vous avez évoqué. Elle s'associe immédiatement à une autre figure, qui est une figure bien connue des séries télévisées qu'on voit encore, que moi je regarde tous les. J'ai encore regardé hier soir. C'est le Columbo de TMC. Voilà. Donc la figure de Columbo, c'est une sorte de Columbo féminin, mais je dirais que c'est un Columbo
tombeau de la sororité. C'est-à-dire que vous avez à un moment une phrase très, très intéressante sur Colombo, en disant qu'il attrape, c'est l'analyse marxiste qu'on connaît de Colombo, c'est-à-dire il démasque tous les puissants à Los Angeles et il joue un peu l'idiot pour en fait démasquer les puissants. Mais vous avez, il me semble, une approche de Colombo qui est plus fine, puisque vous dites que Colombo a une colère qu'on ne voit pas, notamment quand quelqu'un, quand il attrape finalement le meurtrier. Et j'ai envie de vous poser la question, vous qui êtes la détective, est-ce que vous diriez que c'est un Colombo sororal, c'est-à-dire qui va mener une enquête pour peut-être voir la manière dont les femmes ont été violentées. Alors on a parlé à l'instant de Tippi Hedren, mais ce qui est frappant en fait dans l'enquête que vous menez, c'est que la figure de Melanie Griffith, c'est aussi une figure d'actrice qui est, on va dire, malmenée. Est-ce que c'est ce Colombo sororal qui correspond le mieux à votre projet ? Ben, sororal, et je dirais, les détectives enquêtent sur la condition humaine. C'est ce qui les rapproche des écrivains. Hier soir, j'ai revu pour la troisième fois le film de Spielberg qui est sorti il y a 15 jours. En mentant d'ailleurs à mon fils, le petit, en prétendant que je le découvrais avec lui. En fait, je l'avais déjà vu deux fois, je le lui avais caché. Vous voyez, ce genre de mensonge d'écrivain un peu tordu. Et pour la troisième fois, j'étais frappée de voir qu'effectivement, il se dépeint lui-même en enquêteur, Spielberg. C'est-à-dire que c'est très proche d'ailleurs du film de Blowout, le film de Palma. C'est-à-dire que, comment dire, je ne vois pas très bien comment un être humain en général, qu'il soit cinéaste, écrivain ou pas du tout, d'une manière ou d'une autre, ne puisse pas être mené à enquêter sur son propre récit, à commencer par le prénom qu'il possède et qui, en soi, est déjà un récit qui ne lui appartient pas. Donc, moi, c'est vrai que ce qui m'a toujours frappée dans les figures d'enquêteurs et qui fait que j'ai un tel amour fou de Colombo, ce cyclope, c'est-à-dire, en effet, Colombo, c'est l'acteur a eu une tumeur à 5 ans à l'œil, et donc il a un œil en moins, ce qui fait de lui un cyclope. Et dans cette enquête, qui est une enquête où il est question uniquement de femmes qui vouent leur vie à être regardées sans avoir elles-mêmes le droit de regarder, de femmes à qui, en permanence, des cinéastes veulent littéralement crever les yeux, ce cyclope, à vrai dire, j'y avais pas pensé, c'est arrivé à la fin, mais ce cyclope qui mythologiquement est quelqu'un dont, en effet, qui vit dans la cavité du cœur qui est celle de la colère. Oui, il n'y a pas d'enquête sans colère, d'une manière ou d'une autre, même si elle est, en l'occurrence, moi, celle qui est dans ce livre, je ne m'en suis même pas rendu compte d'une certaine manière, mais à un certain moment, je me suis dit que l'enquête venait de là. Alors après, la sororité, je dirais, je parlais d'humanisme. Dans mon précédent livre, Mon fugit n'existe pas, j'employais une expression qui peut paraître paradoxale, mais qui pour moi ne l'est pas exactement, même si elle est... Enfin, ça explique, ça nomme le travail que font... certains écrivains, pas tous, en tout cas c'est ma conception, je parlais de vampirisme éthique. C'est exactement, pour en revenir toujours à ces histoires d'effraction entre ce qu'on appelle la réalité et ce qu'on appelle la fiction ou l'art, il y a toujours du vampirisme. C'est la base, c'est-à-dire que écouter, dans la mesure où beaucoup d'êtres humains s'intéressent pas énormément en fait aux autres êtres humains, c'est-à-dire les écoutent peu ou sont eux-mêmes peu écoutés. Le travail de l'écrivain qui consiste vraiment à intensément écouter et observer apparaît comme une des formes du vampirisme. Dans le vampirisme, il y a ou il n'y a pas une éthique. Certains se contrefoutent de l'éthique. Bon, ça soit dessus, pourquoi pas. Ça peut même faire des beaux livres, c'est possible, j'imagine. Moi, je suis un peu obsédée par cette question de l'éthique du vampirisme qui passe par la justesse de ce qu'on retranscrit, qui passe par une sorte de folie aussi, qui consiste à une folie télépathique, empathique ou télépathique, qui consiste par exemple concrètement à être convaincu. Moi, je n'ai même pas besoin de les rencontrer, ces trois femmes, parce que je les ai rencontrées pendant 20 ans, en fait. Enfin, je veux dire, j'en suis convaincue. Sinon, je n'aurais pas fait le livre. Je suis convaincue qu'il y a une justesse totale de ce que j'écris. C'est ma dinguerie d'auteur. Après, je vous dirais, c'est ma dinguerie d'auteur, j'en sais rien, mais ça repose là-dessus, l'écriture, sur une manière, comme dit Modiano, de se concentrer tellement sur quelqu'un ou sur quelque chose ou sur un paysage qui, comme un médium, peut se concentrer, qu'on est dedans, en fait, comme lui, il a fait avec Dora Bruder, par exemple. Je pense qu'il y a un travail médiumnique comme ça.
Et donc, bah, c'est ce que fait Colombo, ou c'est ce que fait quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, qui est le commissaire Maigret, qui dit que finalement, arrêter les coupables, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Il comprend, il pige en deux secondes qui est le coupable, Maigret. Hein. Enfin, ça va assez vite. Mais pour lui, l'enquête s'arrête, dit-il, quand il arrive à voir la petite fille. Il parle, c'est dans un Maigret, l'homme à la tête coupée, ou l'homme sans tête. Je crois que c'est l'homme sans tête. Un des plus beaux romans de Simenon avec Maigret. Où, à la fin du livre, Maigret dit, voilà, l'enquête s'arrête parce que je vois la petite fille dans la meurtrière, en fait. Et là, c'est bon. On peut l'arrêter, enfin, elle va être arrêtée, elle va aller en prison, mais son travail s'arrête là. Donc c'est ce que j'ai fait, en fait. Donc à partir de là, oui, sororité, mais aussi bien, comment dire, ça dépasse la question de la sororité, c'est vraiment entrer dans la condition humaine. Donc il y a des femmes, il y a aussi bien des big cats, hein. Et c'est entrer dans la condition humaine, mais par un biais qui est, enfin par un biais, à partir des films. Parce que... Alors, pardon, juste par ailleurs, quand même, rajoutons un truc. Vous parliez de Sophocle. À la fin, après avoir fini d'écrire ce livre, j'ai découvert, grâce à une extraordinaire traduction de l'helléniste Florence Dupont, l'Antigone de Sophocle, que j'avais pas réussi à lire parce que je parlais pas grec, donc et les traductions que j'avais lues, je comprenais rien, en fait. Et là, dans cette traduction qui est merveilleusement belle et précise et drôle, etc., j'ai vraiment eu accès au texte. Et donc, dans ce texte, elle explique après qu'effectivement, il y a un cœur. C'est le principe de la tragédie, il y a un cœur, et puis le cœur permet cette empathie du spectateur, ou du lecteur, je dirais. C'est-à-dire, vous êtes, par exemple, avec Antigone, parce que le cœur est là. Et donc, ça veut dire quoi, vous êtes, c'est un peu vague comme formule, vous pleurez avec elle, en fait. Le but, c'est pleurer. Pleurer dans un chant funéraire, un chant funèbre, sachant que, bon, dans l'Antiquité, et encore maintenant dans certaines religions, d'ailleurs, les femmes ont été interdites dans les cimetières, d'entrer dans les cimetières, de participer aux enterrements. Elles étaient interdites de monter sur scène. Et donc, c'est des hommes, hein, qui les représentaient dans le théâtre antique. Mais c'est ce destin-là de ces femmes, et c'est par elles, par ce chant funèbre, qu'on va pleurer, par exemple, avec Antigone, et quand Créon, à la fin, parle, et il monologue pendant des plombes, le cœur s'en va, en fait. Il se casse. Donc, ce qui veut dire, concrètement, que nous n'allons pas pleurer avec Créon. Il peut bien parler pendant des heures et des heures et justifier son système de pouvoir qui fait qu'à la fin, il va tuer Antigone, qui, avec ironie, d'ailleurs, lui a dit, bah, tu peux bien me tuer, je n'adhère pas à ton système patriarcal. Voilà. Donc, toute la question, c'est avec qui on pleure, en fait. Ça, c'est une grande question éthique, je pense, dans la littérature. Alors, moi, je pleure avec ces trois femmes. Enfin, je pleure. Moi, je pleure très facilement, par ailleurs, mais je pleure, je veux dire, l'auteur de ce livre et la détective, sans aucun doute, même si elle retient ses larmes et qu'il ne s'agit pas du tout de pleurnicher, ça, c'est autre chose, mais il y a des livres qui pleurnichent. C'est plutôt des livres masculins, je trouve. Je trouve que c'est un peu une caractéristique masculine, la pleurnicherie. La femme a plus sens à ruminer pour faire vraiment des grosses généralités très pertinentes. Donc, il n'y a pas de pleurnicherie, il y a des pleurs. Il y a des pleurs même sans larmes et qui sont pour ces femmes-là. Oui, donc je pense que c'est ce que vous appelez la sororité. Oui, de la dignité et de la conviction. C'est effectivement ce qui caractérise, il me semble, le travail de la détective. Et elle mène donc une enquête culturelle, donc, à partir de films, puisqu'il est dit tout de suite, tout dans cette enquête est une histoire donc, de regard. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que en fait, son travail, c'est véritablement de revoir dans le film qu'on n'a pas vu. C'est-à-dire, c'est finalement un peu comme chez Dario Argento dans Les frissons de l'angoisse. En fait, si on regarde très attentivement au début du film... Profondo Rosso. Exactement. Ah, oui. Voilà, dans Profondo Rosso, quand on regarde très attentivement, on voit qui a tué, puisqu'il est présent à l'écran. Et vous, en fait, c'est votre travail, c'est-à-dire c'est un travail, je dirais, à la fois d'investigation et un travail, finalement, d'hypervision, où dans le film Les oiseaux, grâce à votre enquête culturelle, vous voyez, en fait, ce qui est à l'écran sans qu'on parvienne à le voir. Est-ce que, précisément, dans votre... Alors, je le dis, vous voyez dans Les oiseaux, par exemple, je le dis un peu vite, mais c'est pour que vous puissiez repartir dessus, vous voyez un snuff movie. Voilà, donc Les oiseaux, c'est 63. Alors, il y a des théories pour dire que le snuff movie arrive en 63 parce que le premier snuff movie de l'histoire, ce serait le film Zapruder, l'assassinat de Kennedy, qui serait le premier snuff movie. Mais vous, je trouve que votre propos, il est beaucoup plus fort puisque vous parlez des oiseaux comme d'un snuff movie. Alors, pourquoi ?
Alors, un snuff movie, c'est... Alors, on n'a jamais su, d'ailleurs, si ça existait. Moi, j'ai été assez marquée dans les années 80, il y avait 90, il y avait pas mal de romans noirs américains là-dessus. Puis, il y avait cette espèce de croyance comme ça, qu'il y avait des films qui se faisaient en vrai, où, alors, c'était censé être souvent... Il y avait un délire un peu complotiste aussi, je pense, déjà, autour des snuff movies. Hein, mais, je ne sais pas, des milliardaires qui pouvaient s'acheter, filmer des meurtres et des viols en vrai, avec du sang qui coule en vrai, etc., et se passer ces cassettes sous le manteau. Là, concrètement, ce qu'est les oiseaux, dans la mesure... Bon, les oiseaux, c'est un film qui a été tourné, donc une adaptation d'une nouvelle de Daphné du Maurier, dans laquelle l'héroïne, d'ailleurs, n'a pas de prénom. Hitchcock, qui donc achète dans un contrat exclusif de 5 ans, Tippi Hedren, va Tippi, donc qui a été rebaptisé par son père Tippi, petite fille en suédois, et qui va mettre deux griffes donc, entre son prénom, Hitchcock, qui l'achète entièrement, hein, qui a le droit de savoir de décider de comment elle s'habille, ses sous-vêtements, sur le tournage, hors de tournage, qui la fait suivre, qui lui interdit de parler aux hommes, aux techniciens sur le tournage, à ses partenaires masculins, etc., va tenter de la violer à plusieurs reprises, ou la violer, en fait, je pense qu'il s'agit de viol, elle en parle dans ses mémoires, mais c'est la chose la pire qui lui est arrivée, dit-elle, la plus hideuse, et elle est tellement horrifiée encore par elle, à la fois elle décrit assez précisément ce qui s'est passé, mais en même temps, il y a quelque chose encore d'indicible pour elle. Il la punit. Et il l'a punie en lui mentant et en prétendant donc qu'elle va être attaquée par des oiseaux mécaniques et en faisant venir pendant ce temps des centaines de cages d'oiseaux, donc de mouettes et de corbeaux, qui vont donc avec des milliers d'oiseaux. Il bande son corps comme une momie avec des bandes élastiques auxquelles il attache des oiseaux. Sa robe vert pâle, donc il y a plein de fentes dedans. Par ces fentes s'introduisent les bandelettes élastiques auxquelles les oiseaux sont attachés avec une certaine distance calculée très précisément pour qu'ils puissent un peu prendre du recul pour ensuite venir l'attaquer. Donc ça a duré 7 jours. Il y a une première scène dans une cabine téléphonique où elle manque d'avoir un œil crevé parce qu'il lui dit que le verre, c'est du verre blindé, le verre n'est pas blindé, il lui ment déjà. Et donc elle va être le maquilleur va devoir passer des heures à enlever tous les morceaux de verre sur son visage, etc. Donc le sang qu'on voit dans les oiseaux, c'est du vrai sang, pour résumer. C'est ça que j'appelle un snuff movie, c'est-à-dire on voit littéralement un sacrifice humain, pour parler comme dans les tragédies grecques ou dans la mythologie grecque, qui est remplie exclusivement d'histoires de dieux qui se changent en animaux pour violer des femmes. Donc exactement comme dans ces histoires-là, elle va subir donc ces attaques comme la chef de Monsieur Seguin, enfin comme un brave petit soldat pendant 7 jours, en se répétant dans sa tête « je ne le laisserai pas me briser, je ne le laisserai pas me briser », etc. Voilà, le snuff movie, c'est ça. Alors il y a un truc encore plus tordu, c'est que c'est quelque chose que j'ai entendu effectivement dès la première fois que j'ai vu les oiseaux il y a longtemps, et que étonnamment il semblait que personne n'ait entendu. Ce qui m'avait un peu frappé, c'est que donc Hitchcock l'oblige à l'appeler Monsieur Hitchcock ou bien Hitch. Donc il y a une exégèse talmudique d'ailleurs, enfin qui est faite par une vieille dame juive dans le livre que rencontre la détective, qui va faire une exégèse du nom Hitchcock, que je ne vous livrerai peut-être pas pour garder un suspense insoutenable, mais qui est parfaitement obscène et en même temps assez hilarante, je dois dire, et totalement éclairante. Mais disons que coq, pour s'en tenir strictement au coq, à part que ça veut dire la bite, mais ça je ne veux pas tout... ça veut dire avant tout le coq. Hein. C'est un oiseau donc, un gros oiseau. Enfin, c'est censé être le roi de la basse-cour, le coq. Donc, dans le film, le personnage avec lequel elle joue, le type qu'elle rencontre hein, et dont elle tombe amoureuse après qu'il l'a humiliée dans le film, donc ce personnage qui s'appelle Mélanie, que Hitchcock a appelé Mélanie en volant, je parlais tout à l'heure de vampirisme éthique, là, hein, on est dans le vampirisme mais pas vraiment éthique, en volant le prénom de la fille, hein, donc de la petite fille dont elle s'occupe seule, hein, sans un rond, ce qui explique beaucoup aussi de son aliénation. Donc, le personnage masculin s'appelle Mitch. Au pire moment, dans le grenier, quand vraiment elle manque de mourir et qu'un médecin est venu sur le tournage en disant « mais vous allez la tuer, donc en fait il faut que vous arrêtiez ce tournage, parce que là elle est tombée quasiment déjà dans le coma, arrêtez ce tournage, vous voulez... » Le médecin dit « mais vous voulez la tuer ?» Et puis ensuite, tout le monde est horrifié, mais personne ne la protège.
Hitchcock va filmer cette scène en sorte qu'on entende quand même très explicitement dans l'état de on pourrait dire de déréliction, mais surtout l'état de d'horreur dans lequel est Mélanie Griffith, hein, qui est en train de se faire assassiner devant les caméras. Elle répète à plusieurs reprises pour appeler à l'aide cet homme, « Oh Mitch », et on entend vraiment « Oh Hitch ». Donc il y a vraiment un moment d'obscénité où cet homme qui lui a donné un contrat, qui a exigé d'elle une exclusivité sexuelle quelques jours avant, c'est-à-dire qui lui a dit « Vous devrez vous rendre disponible sexuellement pour moi à tout moment ». C'est un ordre. Ça fait partie du contrat. Elle a refusé. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui se joue, qui déborde complètement. Il y a une effraction, mais dans un sens vraiment, cambriolage, mais cambriolage franchement assez dégueulasse. Une effraction qui se joue entre le fantasme d'Hitchcock, la manière dont il veut le rendre réel, la manière dont elle ne veut pas subir la réalité de ce fantasme, et la manière dont il va transformer du coup ce fantasme en quelque chose de réel sur le tournage. Donc il y a plusieurs films en fait. Il y a le tournage lui-même, et puis il y a aussi tous ces films clandestins qui se jouent dans la loge, où il va essayer de la violer à de très nombreuses reprises. D'où l'idée du snuff movie. D'où l'idée du snuff movie. Effectivement, vous évoquez La Loge dans Marnie, peut-être ce film clandestin un peu porno, pour dire les choses très, très rapidement. Et si on en vient à présent à la figure de sa fille, vous avez cette façon de dire que sa première apparition à l'écran fixe finalement son destin. C'est-à-dire, vous avez cette très belle phrase, vous dites « La première apparition de Mélanie Griffith est remplie de corps nus et de corps morts ». Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette image est pour vous comme une sorte de cristal de son destin ? Je pense que la première image, c'est toujours très important d'ailleurs. Je pense que les humains font beaucoup de... Je parle toujours comme si j'étais pas eu comme si j'étais un extraterrestre moi. Enfin, les écrivains sont des extraterrestres, je pense d'ailleurs. Oui, les humains ont tendance, enfin moi y compris, à oublier. Ça donne la recherche du temps perdu, mais à oublier la première image et à mettre. Et qui dit tout en fait. Quand on rencontre quelqu'un, la première image vous dira la vérité absolue de cette personne. Et puis, on oublie, la conscience oublie ou se cache quelque chose, ne veut pas s'en souvenir, n'a pas envie de regarder cette vérité en face, etc., etc. Mais la première image, je pense, qui est toujours une image traumatique d'une certaine manière, comme est le cinéma, et ce qu'on voit d'ailleurs très très bien dans le film de Spielberg, qui est là-dessus, sur le fait qu'il n'y a que des images traumatiques. C'est un grand 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 film proustien de ce point de vue-là. Et enfin, je vais pas commencer à parler de Spielberg, sinon je vais en parler des heures. Et effectivement, tout est là. C'est-à-dire que sa mère aura été ce corps prisonnier de cette armure que Hitchcock aura façonné pour elle, comme il l'a façonné dans Vertigo, sachant qu'il est toujours à la recherche de la femme d'avant. En fait, c'est Barbe Bleue, Hitchcock. Donc Barbe Bleue, on pourrait dire, il aime bien le mariage, Barbe Bleue. En fait. Pas tellement. Alors, il aime bien le mariage, s'il adore le mariage. Il aime moins ses épouses, mais il aime bien l'idée du mariage, Barbe Bleue. Ça, c'est incontestable. Il y en a sept, mais il pourrait y en avoir. Le principe, évidemment, c'est qu'il pourrait y en avoir une infinité. C'est peut-être même pour ça aussi qu'il les tue. Donc, avant Tippi Hedren, il y a Grace Kelly. Avant Grace Kelly, il y en a probablement une autre. C'est-à-dire, toutes ces femmes sont des doublures, sont des revenantes. Et moi, je fais commencer mon histoire avec Tippi Hedren, mais l'histoire, elle commence avant. D'ailleurs, quand on arrive à Leda, à Hélène de Troie, enfin, à toutes ces figures mythologiques qui, elles-mêmes, ont subi des viols par des gros oiseaux et ont accouché d'un œuf, ça, c'est Leda, violée par Zeus, qui se change en cygne, qui accouche d'un œuf, d'où... Hélène va naître, qui enfant va être kidnappée et violée, etc. Ça, c'est la réalité de la mythologie. C'est pas comme dans les causeries. Il y a un helléniste qui fait des grandes causeries là, sur France Inter. C'est un grand helléniste. Mais enfin, quand j'entends des histoires du genre, encore maintenant, il tombe amoureux d'elle et il l'invite à prendre le thé. En fait, pas exactement. Il la viole directement. Sauf Cassandre, qui va être puni, mais à qui le dieu demande plus ou moins son autorisation. Enfin, pas vraiment l'autorisation, mais il lui demande. Donc, je suis en train de me perdre dans la mythologie,
Mélanie Griffiths. Elle arrive effectivement à l'ENU. Ce que je veux dire par là, c'est que à la génération d'après, ça devient de plus en plus littéral, en fait. Une histoire qui se dérègle et une histoire qui devient dingue, le critère, je pense, dans une situation humaine, hein, pour être certain qu'une situation est folle ou que quelqu'un déconne, c'est quand c'est littéral, en fait, quand il y a une littéralité. D'ailleurs, il arrive que ça... Bon, enfin, non, ça, c'est un autre sujet, mais la littéralité. Cette histoire, elle est complètement littérale. C'est-à-dire qu'on a une femme réduite à son costume. Elle a une fille. Donc, on a une femme réduite à son corps. Elle a une fille. La fille va être réduite à sa peau. C'est de plus en plus littéral, en fait. Et puis après, on verra ce qui se passe avec Dakota Johnson. Donc, comme elle est réduite à sa peau, elle est nue. Et puis, comme elle est réduite à sa peau, elle va être embarquée par sa mère, hein, donc dans ses... énormes villas où elle va se réfugier, entourée de fauves, où elle va, où sa peau va être mutilée, et où sa mère, en guise de protection pour sa fille, au lieu de chasser les fauves, va louer les services d'un chirurgien esthétique pour réparer les mutilations faites par les fauves. Là encore, on est dans quelque chose de littéral, d'une certaine manière. Oui, on est dans quelque chose de littéral, et tout à l'heure, vous avez évoqué la manière dont Hitchcock avait passer un contrat avec Tippi Hedren, et où un soir elle s'était enfuie de la limousine, et on avait l'impression, ça m'a frappé quand vous en parliez, on avait vraiment l'impression que c'était l'histoire de 50 nuances de Grey dont Dakota Johnson sera l'héroïne. Alors elle a une place quand même particulière, parce que si au début de cette rencontre j'ai parlé d'actrice maudite, il me semble que quand même dans votre ouvrage, elle a une place où elle rédime un peu le destin de sa grand-mère et de sa mère, c'est-à-dire que elle est dans une positivité de son destin, c'est-à-dire qu'il me semble qu'elle retourne un petit peu le stigmate. Est-ce que vous pouvez nous parler de Dakota Johnson, que moi je ne connaissais, alors moi je vis dans une grotte, donc je ne connaissais pas du tout, donc voilà, donc j'ai commencé à regarder, alors, effectivement, 50 nuances de Grey, j'en avais entendu parler, mais il y a vraiment, en fait c'est comme si c'était la mise en scène du destin de Tippi Hedren. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors je ne sais plus combien de centaines de millions de spectateurs a fait ce film, enfin cette série de films adaptés d'un roman, donc 50 Shades of Grey, 50 nuances de Grey. Moi, Dakota Johnson, je l'avais vue apparaître avant, c'est-à-dire je m'étais intéressée à elle quand elle était adolescente, et qu'elle avait rejoué l'adolescence trash de sa mère en abîmant son corps, ses dents, enfin des choses... qui m'avait beaucoup frappée, en fait, et que j'avais beaucoup... j'avais un peu fait les poubelles, hein, ce qui fait partie du boulot d'enquêteur, un peu comme Columbo fait ça aussi. J'avais regardé beaucoup... Et puis, à un moment, elle a disparu. Elle a disparu, et là, il y a eu la grande machine à oubli d'Hollywood, hein, qui l'a fait disparaître, qui l'a envoyée dans une... Donc, Dakota Johnson, dans un centre de rehab. Et quand elle est réapparue, elle était complètement différente, elle était devenue cette actrice, bon c'est une grande, très grande actrice, mais cette personne complètement lisse, qui avait un physique extrêmement, extrêmement lisse, qui avait été modifiée, en sorte de donc, perpétuer cette lignée. Alors, 50 Shades of Grey, effectivement, moi, pour le coup, la première fois que je l'ai vue, ça m'a fait vraiment beaucoup rire, hein, à vrai dire. Et c'était un rire qui donnait encore une fois où il y avait quelque chose à penser. Quand je l'ai revu ensuite, j'ai eu un rire un peu d'angoisse. Et encore maintenant, je trouve ça sidérant de voir. Et d'ailleurs, j'ai vu que un des trucs qui marche le mieux apparemment dans l'édition actuellement, c'est un truc qui s'appelle Black Romance, et donc qui est très proche de 50 Shades of Grey, c'est-à-dire en gros ce sont des romans, des récits où des femmes s'en prennent plein la gueule, des femmes fauchées se font taper dessus, sadiser sans leur consentement, c'est pas des romans SM à base de consentement, par des hommes beaucoup plus riches qui, les pauvres, ont eu beaucoup de grands tourments qui vont justifier qu'ils leur tapent dessus. Et apparemment ça cartonne. Ce que je trouve sidérant, enfin, c'est assez étonnant, hein, de voir qu'à une période qu'on dit en partie féministe, enfin qui l'est en partie, il y a quand même un mouvement rétrograde permanent, une vague, hein, énorme rétrograde qui continue à être présente. Selon ce que Tippi Hedren, au début de sa vie, appelle le schéma à la Cendrillon, qui est ce schéma à la Cendrillon qu'on trouve dans 50 Shades of Grey, hein, donc une jeune fille étudiante en lettres, bon, elle n'a jamais de stylo sur elle ni de livre, hein. Elle ne sait pas écrire apparemment dans le truc, mais enfin, étudiante en lettres, vierge,
complètement oie blanche, pour rester dans le registre animalier, va tomber folle amoureuse d'un petit porcinet, enfin, qui ressemble vraiment à un petit cochon, mais il est multimilliardaire. Ah. Voilà. Et il possède d'ailleurs, entre autres, une énorme maison d'édition. Il a eu beaucoup de tourments parce que sa mère a été extrêmement méchante avec lui. Et donc, il va la battre à mort, en fait, alors qu'elle n'en a pas du tout envie. Hein, je raconte littéralement ce qui se passe. En voyant le film, mon esprit de détective s'est allumé. Je me suis dit, il y a un truc bizarre dans ce film, il y a un truc bizarre. Donc, je l'ai revu plusieurs fois, ce qui était, je dois dire, assez courageux. Et j'ai compris. C'est-à-dire que ce film raconte littéralement, dans la fiction, ou plutôt... La fiction raconte littéralement, donc c'est une jeune fille qui va signer un contrat sur la base d'un contrat sadomaso, alors qu'elle vomit en voyant des vidéos SM, c'est vous dire à quel point elle est motivée. Hein. Donc elle va signer un contrat d'exclusivité sexuelle où elle aura, cet homme aura le droit de contrôler ses vêtements, ses sous-vêtements, les hommes à qui elle parle, en fait à qui elle n'a pas le droit de parler, sa nourriture, l'alcool, elle n'a pas le droit de boire, elle doit rester hyper mince, etc., etc. Il aura un contrat d'exclusivité sexuelle, il pourra venir la sauter quand il veut, même au milieu de la nuit, la stalker quand il veut surgir de manière assez effrayante, etc. Et donc en fait, tout ça dans la fiction est identique à ce que Tippi Hedren dans la réalité a vécu quand elle a signé un contrat d'exclusivité avec les studios Universal représentés par Alfred Hitchcock. Donc là, je me suis dit, ça c'est dingue. C'est-à-dire que voilà quelque chose que personne apparemment n'a vu, qui est que cette jeune fille, cette jeune actrice rejoue cette histoire-là qu'a vécu sa grand-mère. Alors ensuite, il y a eu Suspiria, effectivement, tournage qui pour elle a été une torture. Hein, donc, ou est-ce qu'elle s'en sort bien, je ne sais pas, mais il semblerait que Guadagnino lui ait fait quand même revivre des choses assez costauds où elle a souffert énormément, pas autant que sur les oiseaux, mais enfin quand même d'une manière qui ne devrait pas se passer comme ça en théorie. Après, c'est vrai que dans les films, elle semble reprendre une forme de pouvoir, si tant est que devenir la sorcière en chef d'un matriarcat satanique comme dans le film Suspiria est une voie optimiste pour une lignée de femmes. Je ne sais pas, enfin la question est ouverte, de toute façon je ne suis pas là pour répondre à des questions comme dirait Maigret, ni pour avoir des idées, c'est ce que je disais au début, faire en sorte que le lecteur soit avec elle, pleure avec elle et puisse en même temps en retour sur cet écran qu'elle nous offre voir son propre récit projeté sur cet écran. Donc après, est-ce que les tragédies se termine bien, la réponse est non. C'est-à-dire, comme dit Florence Dupont, donc là, l'héléniste qui a traduit Antigone, le seul dénouement qu'on puisse attendre du tragédie, c'est une autre tragédie qui va arriver après. En revanche, le fait de faire des liens, le fait que le détective, la détective, hein, c'est-à-dire l'écrivain, parce que pour moi, les écrivains, comme je le disais, sont toujours des détectives, fassent des liens, ça, c'est une manière de remettre de l'humanité dans une histoire qui en a manqué, en fait, complètement. Donc c'est peut-être ça qui finit bien. Pour le reste, je serais moins optimiste. En s'interrogeant sur cet optimisme, il y a une question qui traverse tout le livre. C'est la question de la fuite. Et moi, il me semble, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans le livre, que Dakota Johnson semble moins. Enfin, pour l'instant, elle n'a pas fui. Elle a disparu. Elle n'a pas fui. Et vous avez cette question que je voudrais vous poser. Vous posez cette question. Vous dites, une actrice doit-elle fuir pour ne pas choisir, pour ne pas mourir? Alors, je voudrais que vous répondiez en toute simplicité à cette question qui est vaste comme le monde. Je pense que... Enfin, je suis assez convaincue que les femmes et que les minorités, d'ailleurs, en général, je les engloberais, si elles ne fuient pas d'une manière ou d'une autre, à un moment, le modèle qui leur est imposé ne peuvent pas s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Je ne vois pas dans la fuite quelque chose nécessairement du tout de négatif. Hein. Je pense qu'il peut y avoir, au contraire, une émancipation dans la fuite.
Alors là, il y a plusieurs types de fuites. Hein. C'est-à-dire, en effet, elles disparaissent. Elles ont été disparues. On peut dire qu'on a cherché à les faire fuir. Mais il y a quelque chose, je trouve, de bouleversant. Il y a une histoire qui est optimiste, enfin, même extraordinairement belle, hein, qui, enfin, moi, qui m'a fait pleurer tellement je la trouvais belle, que j'ai découverte, que ma détective a découverte en enquêtant, qui est quand Tippi Hedren, qui a eu du mal elle-même à fuir hein, ce destin de répétition de violence et qui l'a fait vivre, fait revivre en quelque, enfin oui, à sa fille. En même temps, à un moment, donc elle, c'est au moment où d'autres personnes en fuite, d'autres populations en fuite, qui sont les Boat People et qui sont les réfugiés vietnamiens qui sont en 75, qui sont donc dans des camps de réfugiés en Californie. Elle va aller donc les aider concrètement. Elle va y passer plusieurs mois et puis elle va donc leur apprendre. Elle est censée leur apprendre à conduire et à conduire et à parler anglais. Donc deux voies d'émancipation. Sauf que les femmes qui la regardent, enfin qui sont censées assister à ces cours, sont uniquement obsédée par ses ongles incroyablement sophistiqués que sa manucure de Beverly Hills, la nommée Dusty, réalise avec une procédure sur laquelle j'ai enquêté qui s'appelle la manucure dite Juliette à base d'enveloppement des ongles. Et donc elle y va tous les lundis. Ces femmes qui la connaissent, parce qu'en fait Tippi Hedren, elle est connue dans le monde entier, même si son visage est connu. Les photos ont circulé partout, même si nécessairement elles n'ont pas vu les films, vont bloquer sur ses ongles et lui en parler. Au point que, bon, assez sympa, c'est une femme très... J'adore Tippi Hedren, par ailleurs, extrêmement intelligente et très humaine. Elle dit, OK, je vais vous envoyer ma manucure. Donc, elle fait venir la manucure de Beverly Hills. Elle y va. Et là, comme elle est intelligente, elle comprend qu'il ne suffit pas qu'elle leur fasse juste peindre les ongles. Qu'elle a, en fait, elle demande à la manucure de leur donner des cours pour leur enseigner donc, le travail de manucure-pédicure. Ce qu'elle fait, ensuite, elle leur paye une école d'esthéticienne. Et ce faisant, elle va être à l'origine, donc Tippi Hedren, d'abord de l'émancipation de ces femmes, de leur fuite, on pourrait dire, dans active, et du plus gros business, un des plus gros business américains, qui est multimilliardaire enfin économiquement, qui est donc tout le business de la manucure-pédicure, qui encore maintenant à 80% est tenu par les descendants de ces femmes, qui ont donc, à qui Tippi Hedren a donné ces moyens-là, de fugue, de fuite, et qui l'ont d'ailleurs, elle est consacrée comme the godmother, la marraine, hein, elle a eu des diplômes, etc., et elle est encore en contact avec eux. Donc il y a quelque chose là-dedans de bouleversant. Par ailleurs, comme je le disais, je pense que la fuite, la manière de se décaler d'un modèle qui est imposé, la manière d'une manière ou d'une autre de ne pas y adhérer et de construire quelque chose, enfin, je pense qu'il n'y a pas de vie humaine libre sans une part de fuite aussi. Donc c'est ça moi qui me bouleversait par ailleurs dans cette histoire. C'est pas juste une histoire tragique, enfin c'est une tragédie, oui, incontestablement, à la Sophocle, mais il y a quelque chose en même temps d'une grande vitalité. Il peut y avoir quelque chose d'une grande vitalité dans la fuite, comme on le voit d'ailleurs dans c'est une manière, tout à l'heure vous employez le mot stigmate, hein. On peut fuir dans le langage, on peut décaler, on peut fuir certains mots qui nous ont assignés, on peut fuir des assignations. Voilà, moi je trouve que c'est ce qu'elles font aussi, et qu'il y a un courage extrême de ces femmes, parce que j'étais une fois invitée dans une émission de radio, et il y avait un cinéaste qui disait « Ah mais... elles sont très fragiles et tout. Ben, » En fait, non. C'est-à-dire qu'en réalité, vu ce qu'elles ont subi, quelqu'un d'autre serait mort depuis longtemps ou interné depuis longtemps. Donc il y a une force énorme dans ces destins et une vitalité, et elle passe aussi par cette fuite-là. Donc on se lève et on se casse. C'est cette fuite-là. Alors, avant que vous ne vous leviez et vous cassiez, il nous reste un tout petit peu de temps pour que le public puisse poser des questions à Hélène Frappa. Ne soyez pas timide, même si les histoires que nous vous avons racontées sont assez terrifiantes, oui. Et le livre l'est bien davantage. C'est quoi, ça vient d'où ce proverbe ? Pas d'autre salut que la fuite. Alors,
Je suis secrètement ravi que personne ne pose de questions parce que je vais pouvoir continuer à poser des questions à Hélène Frappa. Donc, en attendant que des questions viennent, peut-être une question. Il y a quelque chose qui revient de temps en temps dans le livre et qui est vraiment un questionnement qui structure, qui finit, une fois qu'on a refermé le livre, par structurer l'intégralité du récit. On en a parlé tout à l'heure un tout petit peu, mais j'aimerais que vous reveniez dessus, si vous le désirez. C'est la question du conte. C'est-à-dire qu'on a parlé de Cendrillon, mais on voit qu'on est à Hollywood, on s'imagine que c'est un conte, que c'est un conte de fées. Et puis, plus on s'avance, et finalement, on ne sait pas tellement du Charles Perrault, même si Charles Perrault, c'est assez cruel. On est plutôt dans du Villiers de l'Isle-Adam. Hein. On est un peu dans les questions de l'Ève future aussi. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler, est-ce que vous avez conçu ce livre comme un conte désenchanté ou comment est intervenue la question du conte dans votre réflexion ? Alors c'est vrai que les contes sont arrivés, effectivement, il y a Barbe Bleue, il y a Cendrillon, il y a La Belle au Bois Dormant aussi. Les contes sont arrivés comme ils arrivent. Pour le coup, dans les contes, on voit bien que le salut passe par la fuite. C'est-à-dire que ce sont que des femmes immobilisées dans les contes. Hein. La Belle au Bois Dormant, qui se fait violer en dormant, en gros, hein, si on lit le truc littéralement. La femme de Barbe Bleue, elle a vraiment intérêt à se barrer une fois qu'elle a découvert six femmes accrochées à des crocs de boucher dans une mise en scène absolument gore, enfin qui vraiment invente le cinéma gore plusieurs siècles avant. Donc il y a quelques années, quelqu'un dont je suis très proche, François Angelier, avec qui j'avais beaucoup parlé, donc qui a fait une très belle émission Mauvais genre, que j'avais connu il m'avait invité il y a 10 ans pour un roman qui s'appelait Lady Hunt, qui était déjà une variation autour du conte gothique. Mais il m'avait comparé à une écrivaine que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, du coup j'avais lu Angela Carter, une écrivaine anglaise des années 70, qui est, je pense pas qu'elle soit oubliée en Angleterre, mais elle est peu connue en France, même si certains de ses livres ont été adaptés à Hollywood. Et elle avait fait une réécriture magnifique des contes, tous, dans une langue sublime, tous du point de vue de la femme. C'était réécrit, mais entièrement du point de vue du personnage de l'héroïne féminine. Après, je pense que oui, ce qui est extraordinaire dans les contes, c'est la stylisation. C'est ce que disait pour le coup Truffaut à propos de Lubitsch. Hein, c'est comment ça s'appelle ? C'est un de mes préférés. Comment elle s'appelle ? La petite fille blonde avec les ours. Boucle d'or. C'est Boucle d'or qui arrive dans une maison, et puis en fait, il n'y a pas d'ours dans la maison, mais on va comprendre qui habite cette maison en voyant une petite assiette, une moyenne assiette, une grande assiette, un petit lit. Donc peu à peu, tout le décor lui-même et tout ce qui est stylisé du décor va nous dire, sans aucune psychologie, et en l'absence même des protagonistes, donc avec une ellipse, un art de l'ellipse extraordinaire, tout ce qui se passe en fait dans cette histoire. Après, ce sont des récits effectivement qui structurent un imaginaire hétérosexuel depuis très longtemps, hein. Un imaginaire de la rencontre qui assigne aux petites filles un destin unique qui est celui de l'amour. Enfin, c'est plus qu'un destin, c'est un boulot, une vie, un but dans la vie, une occupation. D'une manière qui, si on la lit pour le coup, parce que c'est ce qui est très beau dans les contes, c'est que c'est littéral, c'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas dans des figures métaphoriques de ce qu'on appelle maintenant le gaslight, où il y a un homme, par exemple, un mari qui va vraiment essayer de rendre sa femme folle. On est littéralement dans un mari qui va accrocher ses femmes à des crocs de boucher. C'est-à-dire au cas où la femme comprendrait pas clairement ce qui lui arrive, là, l'auteur du conte va lui mettre sous les yeux. Pareil Cendrillon, où si on lit littéralement, on se rend compte que bon, le conte, enfin je dis hétérosexuel, j'en sais rien pour Cendrillon, parce qu'il est quand même, enfin en tout cas il est fétichiste des pieds. C'est-à-dire que tel que c'est écrit dans le conte, il tombe amoureux du pied et ou de la chaussure. Et il est obsédé par ce pied, c'est à peine, il n'a pas levé les yeux, hein, il ne lève pas les yeux, il regarde juste les pieds. Donc il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi dans Les Chaussons Rouges, hein, qui est une histoire, et en fait ça c'était à l'origine d'un conte d'Hoffmann, à l'origine du film qui m'avait beaucoup marqué, Searching for Debra Winger, à la recherche de Debra Winger, un film que vous pouvez trouver sur YouTube, maintenant on peut le trouver, le voir facilement. Et donc cette histoire extraordinaire que le grand cinéaste Michael Powell avait adaptée d'une danseuse
qui s'est adapté du fameux conte où une petite fille va trouver des chaussures rouges. Les chaussures rouges, c'est le sang. Donc c'est la maturité sexuelle de la femme, hein, le sang, comme dans toutes les histoires de vampires. Hein. Donc le danger, parce qu'évidemment pour la fille, il y a un danger dans la sexualité qu'il n'y a pas pour l'homme, qui est de tomber enceinte. Et puis il y a l'impureté, ce sont des chaussures du diable, et le fait qu'une fois qu'elle les met, elle ne peut plus s'arrêter. Hein. Elle est intoxiquée par le sexe, en gros, et par cette espèce de goût du danger. Et puis elle va être punie, mutilée, comme dans mon histoire d'ailleurs. On va lui trancher à la fin, il va falloir lui trancher les deux pieds, exactement aussi comme dans un des contes que je déteste. Alors j'ai toujours détesté, c'est La Petite Sirène. Alors elle, je ne peux pas la saquer, je dois le dire. Elle pleurniche, la petite sirène, pour le coup. Puis alors, dis donc, qu'est-ce qu'elle est, mon Dieu. Alors, elle, c'est la mythologie du sacrifice. Bon, autant dire que toutes ces histoires-là, on comprend, je reviens à ce que je disais juste avant, sur la fuite, c'est-à-dire que si une femme ne se barre pas d'une manière ou d'une autre de ces contes qui sont inscrits profondément en nous, hein, au point où tous les... Oui ? Vous vouliez poser une question ? Oui. Et ce sera la dernière question, parce qu'après, nous allons rendre l'antenne. En vous entendant dire « on se casse », justement, mais j'y pensais avant, Brigitte Bardot, elle s'est cassée. Et je faisais un lien, justement, avec l'actrice, mais l'être humain aussi, et puis une sorte de fatalité avec la personne et le personnage de Brigitte Bardot. Je pensais à Robert Bresson, « La vérité ». Enfin, ce sadisme aussi, et elle s'est cassée, enfin, puisqu'elle a fui le cinéma. Voilà, ça a fait une résonance avec cette actrice, cette femme, et je me demande ce que vous en pensez. Ben, je pense que toute la difficulté consiste, et c'est pour ça que la fuite, je pense, est un sujet philosophique très passionnant et extrêmement complexe, c'est qu'il s'agit, et encore une fois, je répète, je pense que ça vaut pour toutes les minorités, il s'agit... Il y a une part de fuite, je pense, qui est une nécessité vitale, mais en même temps, il ne faut pas se tirer une balle dans le pied non plus. Je dis « il faut », c'est ce que je pense, c'est-à-dire c'est pas non plus de fuir la société. C'est-à-dire fuir une société qu'on réprouve, c'est aussi se faire avoir si on la fuit complètement. Fuir une profession dans laquelle on est génial, comme Tippi Hedren, ou comme pouvait à sa manière être génial Brigitte Bardot, c'est aussi être envoyé dans sa cuisine. Donc c'est très compliqué, cette histoire de fuite, en fait. C'est-à-dire être envoyé fuir l'espace social et l'espace du travail et l'espace de la création. Je dis ça sans aucun jugement. Hein. Oui, c'est Clouzot, l'enfer. Clouzot était un dingue, oui. Un dingue. Il a sadisé Romy Schneider dans ce film L'Enfer, qui porte bien son nom, qui est très littéral, etc. Et il lui a fait vivre des choses qui mériteraient... une peine de prison sans aucun doute, si du moins ce genre de choses se soldait par des peines de prison. Mais voilà, c'est une question extrêmement complexe. Après, c'est ce qui fait souvent, je trouve, des personnages féminins dans la littérature ou au cinéma, des personnages et des femmes dans la vie, si elles ont réfléchi à ces questions-là, pas les femmes biologiquement, elles n'est-ce pas plus complexes que les hommes, j'y crois pas du tout, mais comme toute personne qui peut avoir réfléchi à ces questions-là et qui peut en fait... à la naissance, ne pas avoir eu le pouvoir d'une manière ou d'une autre, et avoir dû composer avec ces questions du pouvoir et ces assignations. Est-ce que le but, c'est renoncer au pouvoir ? Dans le livre, ce que je dis, c'est que le problème qu'ont ces femmes, et c'est une question, je pense, qui se pose, qui est toujours aussi contemporaine, c'est qu'elles n'ont le choix qu'entre être des proies ou des prédatrices. Il n'y a pas d'autre, c'est les deux termes, en fait. Qui sont les deux termes. D'ailleurs, quand j'y pense, c'est marrant, j'avais même pas pensé, mais Brigitte Bardot s'est réfugiée totalement auprès des animaux, comme quoi. Oui, non, mais je suis vraiment, moi, je n'ai même pas compris votre question. On va devoir suspendre ici un instant. Des animaux et des fachos, voilà. Qui sont des animaux sauvages. Voilà. Et donc, c'est dans son havre de paix, Le Péniste, que nous laissons, Brigitte Bardot en paix dans le golfe de Saint-Tropez. Il y a une séance de dédicaces, voilà. Et donc, nous vous remercions du chaleureux accueil que vous avez fait à notre rencontre. Merci beaucoup.